Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo réception artbook. Et pour ça je suis accompagné de deux poteaux et un nouveau challenger d'ailleurs. On va commencer par le nouveau challenger. Donc Solid Snake Retro. Salut à tous mes serpents solides, voilà, ici Solid Snake. Et aujourd'hui je suis avec Steve the Geek et Mike. Merci les gars, je passe un super week-end à Tours. Donc tu peux te présenter vite fait. Alors qui tu es, Solid Snake Retro? Alors moi j'ai une petite chaîne YouTube. Oui, je dis petite chaîne YouTube parce que je sors pas beaucoup de vidéos, je suis pas beaucoup actif. Mais j'ai une chaîne YouTube en gros sur le rétro, les comptes rendus d'achat, les tests et les unboxings de colis ou voilà, de réception de colis, des choses comme ça. Voilà. Donc tu es un abonné de la chaîne? Tout à fait. Depuis les débuts on va dire, à peu près à quel moment tu es arrivé, est-ce que tu as une ordre d'idée? On va dire à peu près... Tu es ouvert en septembre 2020 si mes souvenirs sont bons. Juin 2020. Juin 2020, ouais. D'accord. Je suis arrivé début 2021. D'accord. Quasiment, ouais, donc même vraiment dans les débuts de la chaîne quoi. Tout à fait. Les premiers mois quoi. En même temps que j'ai ouvert ma chaîne, pas très longtemps avant que j'ouvre ma chaîne. D'accord. Voilà. Donc du coup t'adhères à la chaîne, je suppose, hein? C'est une des meilleures chaînes de YouTube les gars, foncez, allez la voir, je vous le dis, c'est carré. Et du coup alors quelle rubrique tu aimes sur la chaîne? J'aime beaucoup quand tu fais surtout des tests, des manches des pattes, ouais. Ou beaucoup en fait de top. Je regardais un peu les jeux Vedosé chez toi, mais beaucoup moins en beaucoup fait qu'un temps, parce que moi j'aime... Toi t'es plus rubrique, on va dire... test, les pécuniers quoi, tout ce qui est un peu pécunier quoi, tout ce qui touche un peu à l'argent dans le monde. Non, pas beaucoup. Non, c'est que j'aime bien surtout voir plutôt tout ce qui est top par exemple, top 3 des meilleurs shoots ou des trucs un peu comme ça. D'accord. Voilà. Okay. Même si t'en as pas fait beaucoup non plus, mais. D'accord. J'aime bien ça. Par exemple, le top 10 jeux de baston, t'as dû kiffer. Oui, le top 10. Avec Zach et puis. C'était ouais. Énorme. Et l'ami Mike d'ailleurs qui est avec nous. Et avec l'ami Mike. Bon, ça va Mike? Bah écoute, ça va génial, on passe un super week-end. Impec hein. Ouais, alors toi, tes impressions sur ce petit week-end que t'as passé parmi nous? Incroyable, juste incroyable ce week-end. C'était cool. J'ai l'impression de rêver. Bon, bah génial. C'est super. En tout cas, ça fait super plaisir de t'avoir avec nous. Et ben. Et puis. En tout cas, tu m'as fait une belle surprise, quoi. Ah, mais. J'espère que. Parce que ça s'est prévu, enfin voilà, quoi, 48 heures avant, quoi. On va dire que je suis un peu un fou dans ma tête, tu vois, j'ai pas réfléchi. D'où le masque, d'où l'instant T. Bah oui, alors pour ceux qui... En plus, j'étais là au début, j'avais un masque de Spider-Man, pour ceux qui s'en souviennent. J'ai changé le masque un peu, je me suis reconverti. En Jigsaw, quoi. Ouais. Je suis devenu tueur en série, donc... Voilà. Ça marche. Donc, alors, pour cette nouvelle vidéo, donc, comme je vous ai dit, ça va être une réception d'artbook. C'est ça. Donc, du coup, on a acheté quelques bouquins avec Mike à Trader à Paris. Ouais, d'ailleurs très bon magasin, ils ont un super choix de bouquins, ils ont une super décoration à la japonaise au niveau de leur agencement de jeux vidéo et de figurines. Mmh. C'est vraiment un très bon magasin et c'est là-bas où j'ai chopé la majorité de mes artbooks. Donc on a combien d'artbooks à peu près là, à présenter? Alors on en a... Là ce sera une vidéo de 20 minutes à peu près, hein, où on présentera succinctement les bouquins. 6. Ouais, on en a 8 ou 9 là. 8 ou 9, ouais. Dont 8 sont à toi. C'est ça. Moi j'en ai pris qu'un, donc du coup, bah vas-y, on va commencer sans plus tarder, hein. Eh ben, c'est parti, on commence crescendo du petit au plus gros bouquin, ouais, qui envoie du heavy machine gun, quoi. C'est okay. Ça, exactement. Allez, c'est parti. Alors là, je me suis chopé un petit book Mortal Kombat. Alors, petit book Mortal Kombat. Il est très joli. Alors, il est vraiment très très chouette. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va filmer en simultané avec la caméra. Tac. Alors, pour l'intérieur des bouquins. Donc, alors c'est un bouquin, donc vas-y, alors c'est édité par qui alors exactement? Alors c'est édité par Amake, du coup, non, Omake Book. Ah c'est Omake Book. Je connais pas trop, mais par contre ils ont fait un très bel ouvrage, du coup avec... Alors on va mettre ça comme ça. Beaucoup d'illustrations. Ok. Il est entièrement en français. Mm-hmm. Vraiment une bonne mise en page avec il présente du coup un peu l'univers Mortal Kombat. D'accord. Il présente les personnages d'où ils ont été pris en fait leur c'est ça, la bande d'arcade, ah, les flyers avec beaucoup de petits détails et beaucoup de petites anecdotes. Mm-hmm. Et bien sûr la présentation du coup vers la fin des différents personnages. Voilà.
Excellent. Donc du coup, ça parle que du premier Mortal Kombat, quoi, l'épisode fondateur. Ouais, ça parle de la création de Mortal Kombat et ça décrit beaucoup d'anecdotes par rapport à la saga Mortal Kombat. Ouais, et puis voilà, la sortie en arcade, ce que ça a apporté en influence dans le domaine du jeu de combat. Quoi. Exactement. Du coup, voilà pour ce premier petit. Donc très sympa le format comme ça, tout petit, comme de poche, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est un format de poche, vraiment très très sympa. Okay. Du coup, voilà pour le premier book. Ok. Pour le deuxième bouquin, nous avons un petit bouquin aussi, pas très grand, sur Resident Evil. Voilà. Du coup, de toute façon, on va le filmer là, en plus près. Entièrement en français. Voilà. Avec une petite arrière. Voilà. Alors c'est marrant parce que l'arrière, je sais pas si je me plante, mais j'ai l'impression que c'est le designer de Capcom vs Assassin's Creed 2 au niveau des visages. Ouais. Tu vois? Ouais, exact. Au niveau des traits. C'est vrai, ouais. Effectivement. Oui, donc, exactement. Ça m'a marqué quand je l'ai lu hier. Alors pareil, là ça reprend du coup toute la saga Resident Evil. Mm-hmm. Du coup, il était une fois Resident Evil, voilà. Et là, il nous raconte tout au niveau des jeux. Du 1. Et là, on passe sur tous les épisodes. En fait, sur les films, sur les épisodes du coup, console. Donc, tous les épisodes canoniques, on va dire. Là. Tous les épisodes canoniques, okay. Tu vois. Ça va jusqu'au 7, parce que le bouquin à l'époque du 8 n'était pas sorti, ouais. Sûrement. D'accord. Et là, vous voyez, il part de la version Game Boy. Ah non, il y a aussi les spin-offs, du coup. Ouais, tous les spin-offs. Et du coup, vraiment belle mise en page. Et l'avantage, c'est qu'il est entièrement en français. Même les Game Survivor, etc. Excellent, quoi. Du coup, voilà pour ce petit book. En plus, ils coûtent pas très cher. Ils sont à 10 balles l'unité, les deux. Là. Ouais, ça va. Franchement, ça va. Franchement, il n'y a rien à dire. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ensuite, je vous présente un livre que j'adore. C'est le livre Tortue Ninja. Parce que moi, j'aime beaucoup la saga des Tortue Ninja. Et là, on a un super book qui retrace... Magnifique. L'intégralité du coup de la création de l'univers des Tortues Ninja, voilà, avec des superbes illustrations. Du coup, il y a des illustrations des comics, des dessins animés à l'ancienne, etc. Avec dans le bouquin dispatché de-ci et de-là, pas mal de petits bonus. De petites affiches promotionnelles. Ouais, des illustrations, voilà. Des petites photocopies. Hein, ouais, il faudra qu'on tombe sur. Voilà. Par exemple, des imprimés, là, quoi. Des imprimés. Voilà. Voilà, ce style-là. Et bien d'autres. Il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup un plus. Un peu plus loin dans le bouquin. Donc, ça, c'est des images du dessin animé qu'on a tous connues. Ouais. Les personnages, en fait. Les créateurs. Qui montrent des planches, les créateurs. On passe par du coup les films avec les making of des films, avec les comment ils ont fait les yeux, etc. Animatronique. Beaucoup d'images promotionnelles inédites. Ça parle aussi des jouets. Ah, les produits dérivés, quoi. Produits dérivés, tout ce qui est sorti en jouets, etc. Excellent. Et puis après, on va aller à la fin, où à la fin il y a une grosse surprise. À la fin, il y a une enveloppe. Ah. Et dans cette enveloppe, et ça tu l'as pas vu. Je l'ai pas vu aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Et le mystère est entier. Alors, il y a un poster rigide un petit peu, du coup, vous allez voir, de la couverture du film. Wow. Excellent. Et si vous avez remarqué au niveau de ce poster-là, les quatre designs sont différents parce que c'est les quatre styles graphiques des Tortues Ninja selon les époques. Exact, exact. Dont le Donatello tête de blaireau. Mais il a les dents du bonheur, le mec. Et en plus, il a les dents du bonheur. Ça, c'est la classe internationale. Donc, un beau petit poster rigide. Un beau petit poster semi-rigide, on va dire. Mm. Avec à l'intérieur, et là, vous n'êtes pas prêts, moi non plus, je ne l'étais pas. Oula. Alors. C'est le tout premier tome qui est sorti, du coup, version anglaise des Tortues Ninja. Donc, ça, c'est le tout premier bouquin. Le tout premier bouquin, Les Origin Story. Des Tortues Ninja, voilà. Tout premier épisode, quoi. Alors malheureusement, il n'est pas traduit, mais bon, du coup, ça reste dans son jus, quoi, d'époque, quoi, c'est en anglais. Ça reste dans son jus, exactement. Du coup, superbe bouquin. Ah, ça, c'est un beau petit cadeau, ça, quand même. Le numéro 1. Le petit plus qui fait plaisir, quoi. Ah ouais, carrément. Du coup, voilà pour ce petit ouvrage. Donc c'est vraiment un bel ouvrage, celui-ci. Ah ouais, c'est vraiment... Pour tous les fans de Tortues Ninja, tu peux le conseiller, Mike. Ah oui, carrément. Ouais. Je veux dire, là, ça explore tout l'univers. Je veux dire, si vous êtes fan de l'univers des Tortues Ninja, prenez-le.
Parce que il y a pas de souci, ça vous plaira. D'accord. Alors le truc par contre que j'ai trouvé un tout petit peu dommage, je dirais, un petit bémol, hein, c'est que ça n'explore peut-être pas assez l'univers vidéoludique. Ouais. Des sorties ninja, mais bon, pour ça on a c'est plus comics, basé hein, sur les films, les jouets, ouais, et puis c'est vraiment les dessins animés, quoi. Plus basé sur le comics, sur le dessin animé, les différents animés, les films, etc. D'accord. Ainsi que l'univers qui est à côté. Ensuite. Donc, ensuite, nous avons le livre Street Fighter. Regarde. Du coup, Street Alors. Fighter Memorial Archive. Street Fighter Memorial Archive. De Street Fighter à Street Fighter 5. Alors, ce bouquin-là, du coup, il est entièrement en français. Hein, c'était pour les 30 ans de Street Fighter. Ouais. Et ce livre-là, ce qui est cool, c'est qu'en fait, il est divisé en plusieurs parties. Déjà, la première partie, nous avons du coup la sortie du coup de tous les jeux qui sont marqués du coup en première page. Du coup, de toutes les versions, hein, que ce soit DS, PSP et tout le bordel, tout est marqué en chronologie. D'accord. Là, on a des dessins de du coup Street Fighter V qui ont été faits par différents auteurs avec leur vision de Street Fighter. Du coup, ça c'est toute la partie du coup, on va dire, dessin d'auteur avec un petit commentaire. Excellent. Sur Street Fighter 5. Très belles illustrations, hein, qui prennent toute la page en plus. Très belles illustrations. Après, on passe dans une seconde partie. Du coup, là après, on a tous les persos qui étaient sortis à l'époque, peut-être pas les plus derniers, mais tous les persos grosso modo de Street Fighter 5 présentés avec des images, etc. Ensuite, là, on a des interviews du coup des créateurs. Et après, là, on rentre dans une deuxième partie avec la saga Street Fighter 1, par exemple, avec tous les persos originaux qui avaient été designés pour la version arcade. Excellent. Avec bien sûr à chaque fois un petit texte. Ouais. Après, on a Street Fighter du coup 2, du coup le World Warrior, avec les persos originaux des persos. Et pareil pour tous les autres. Voilà, par exemple. Donc pour chaque épisode, en fait, t'as ces illustrations. Pour chaque épisode, ces illustrations. Jusqu'aux versions Alpha 3. D'accord. Et puis après, ben, vers la fin, on a encore d'autres interviews, ainsi que d'autres images, voilà, des images bonus à la fin, promotionnelles. Et ce qui est bien, c'est que. Ah, et on a aussi un petit truc vraiment tout à la fin, c'est 4 pages avec les bases du Versus Fighting. Ah, c'est génial ça. Comment s'y mettre qu'est-ce qu'un cancel, les frames hein. Exactement, les frames data, il explique un petit peu tout. Franchement, c'est un ouvrage très complet. C'est génial ça. Que je conseille à tous les fans de Street Fighter. Et en plus, le prix n'est pas excessif. Voilà, quarantaine d'euros. Quarantaine d'euros là. Moi, ça va quoi. T'en penses quoi, Antoine? Franchement, oui, non, c'est pas mal. En plus, avec les explications à la fin du bouquin et tout, sur les différents coups, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Rapport qualité-prix, franchement, il n'y a rien à dire. Ensuite, nous continuons dans les joies de la bonne humeur. Allez, avec parti. Notre ami. Le grand N, le Big N. Ah. Super Mario, voilà. Encyclopédia, 1985-2015. Exactement. Donc, pour tous les fans du moustachu, hein. Ouais. Ça, c'est le guide officiel de Nintendo, du coup, ça reprend toute la série du coup Super Mario Bros. Canonique, du coup, pas Yoshi Island, etc. Donc, et là, bah, jusqu'aux dernières sorties 2015, quoi. Du coup, 2015, juste donc, avant. Donc, peut-être Mario Galaxy qui sont pris en compte. C'est ça, rien que là quand on ouvre ça. Donc, j'ai remarqué que c'est un bouquin qui était blindé d'émoticônes de. Ah, ouais. Là, il est très illustré. Hein. Il est très, très illustré. C'est très, très, très coloré. Du coup là, il commence par Maker, histoire de montrer que ça c'était un jeu que tout le monde voulait, c'était créer son propre Mario. Du coup ça c'était un petit clin d'œil par rapport à ça. Et vous voyez que c'est vraiment, la mise en page est vraiment très bien faite, c'est très coloré, c'est très addictif au niveau visuel, et c'est très attirant. Et tout est en français. Hein. Et là, il est gratuit. Hein. Et là on commence avec les 17 épisodes, du coup qui sont tous listés ici. Là les 3 bouquins qu'on vous a montrés, ils sont traduits. Hein. Ouais, en français quoi. Ils sont traduits en français, ouais. Parce que c'est pas tous le cas hein, après. Voilà. Et là, on est parti avec Ryan et Mossa. Ah, c'est beau. Tous les persos. Tous les personnages dessinés. Avec un petit descriptif à chaque fois. Un petit descriptif à chaque fois, des très beaux dessins. Et là, on prend le premier Mario. Et là, on a la description du coup de l'univers, des mondes, l'histoire, des informations anecdotiques, des anecdotes, les différentes transformations avec les différents items, les ennemis du jeu qui ont été redessinés pour l'occasion. Avec un petit descriptif à chaque fois, il y a vraiment de quoi faire. De quoi en prendre plein les Le nombre de screens qu'ils ont, mis, quoi. Ouais. C'est impressionnant. Beaucoup quoi. De screens, ouais, ça, c'est clair. Les différents niveaux. Ouais. Et voilà, pour faire un truc grosso modo, regardez-moi ça. Waouh. Big time. Voilà. Et après, t'as tous les épisodes un par un, c'est ça? Ouais, un par un. Même les Mario Land.
Les Mario Land. Même les jeux Game Boy et tout. Ah ouais. Là, il y a Mario Land par exemple. Excellent quoi. Super Mario Land. Avec tous les sprites, tous les trucs. Ils ont tout retranscrit en fait. Tout retranscrit avec des magnifiques images. Avec les petites cartouches là. Là-bas. Ah ouais, énorme ça. Différents pays. D'accord. Date de sortie, histoire, etc. Vraiment très complet. Très bien. Du coup, voilà pour cet ouvrage Mario. Très sympathique. Donc là, on est à combien au niveau prix là? Là, sur celui-là, on est à 34,99€, 35€. D'accord, ça va. Franchement, ça va. Ouais, c'est un bel ouvrage. Un petit effet, je sais pas si vous voyez, un peu brillant. Ouais. Ah oui, exact. Ouais. Du coup, très très sympa. Et même Mario, il fait son petit pouce. Il approuve le bouquin. Voilà, il approuve le bouquin. Ok. Ok. Et ensuite, on continue. Et là, nous avons un lourd. Alors. Nous avons. Ouh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Sonic Encyclo Speed IA. Ah, sympa le jeu de mots quoi. Le Encyclo Speed IA quoi. Ouais, le petit jeu de mots, alors celui-là il est vraiment. Attends, fais voir l'épaisseur du bouquin. Ah oui, il est énorme. Ah ouais, mais là c'est un pavé. Putain, c'est un gros pavé là. C'est un big monster. Là c'est un pavé. Superbe. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a dedans là? Alors là, bah, quand on l'ouvre. Ah, sympa l'ouverture. Du coup, le bouquin. Très joli. On va sortir. Voilà. Et là, il y a après à la fin, il y a un petit bonus qui est marrant. Alors, du coup, on le sort de sa boîte. Et là, nous avons un superbe livre. Ah, avec une couverture magnifique. Ouais, c'est magnifique. D'un des deux screens, en fait, du jeu. Quoi. De tous les jeux. Et là. Et eh ben, on commence en fait par. Alors, celui-là est en anglais. Le petit problème du bouquin. Le petit problème du bouquin. Voilà. Celui-ci n'est pas traduit malheureusement. Mais bon, il est tellement chouette. Et là, voilà, on commence par le Sonic 1. Et là, on a plein d'anecdotes, explicatives, stories, screenshots, ennemis, etc. Et là, vous voyez un peu quand c'est coloré, quand c'est chouette. Et là, voilà, c'est. C'est vrai que c'est très attrayant à l'œil, quoi. C'est très détaillé, ouais. Et là, c'est jusqu'à la fin du livre. Ah ouais. Donc pareil, t'as tous les épisodes, un par un, sont décrits. Un par un, ouais. Tous décrits, jusqu'au Adventure, jusqu'au 3D. Ah, parce qu'il me semble que j'avais vu même Sonic Blast de la Game Gear. Ouais, là ils t'ont tout mis, hein. C'est l'encyclopédie Sonic. Ouais. Hein. Excellent, quoi. Voilà. Ça, c'est du bien joué. Ça, c'est du, vraiment, c'est vraiment... Là, c'est vraiment du travail de passionné, quoi, ce bouquin. Il y a vraiment tout sur tout. C'est un très beau livre. Et en plus... Avec un très bel habillage, en plus. Un très bel habillage. Et en plus, en petit bonus à l'intérieur, nous avons du coup ceci. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Et bien en fait, après on a là, le petit anneau, okay. Le Watch Dog. Et là, quand on l'ouvre... Oh, des superbes... C'est quoi? C'est lithographie, ça? Hein ouais, ça, c'est une lithographie avec une sorte de versus Sonic versus Eggman. Et il y a un effet sur le papier qui est excellent. Il y a un effet sur le papier qui est incroyable. Je sais pas si ils vont le voir à travers la caméra, mais... Je vais essayer de le... C'est mortel, quoi, au niveau de... Mais c'est vraiment une bonne finition et c'est vraiment très très chouette. Très très belle finition, c'est sûr. Du coup, voilà, pour ce petit... ce gros livre. Ce gros livre Sonic. Et pareil, pour tous les fans de Sonic, je ne saurais que le conseiller. Parce que c'est un livre vraiment hyper sympa et blindé de références, plein de clins d'œil. Le seul petit hic, c'est qu'il n'est pas traduit, quoi, malheureusement. Quoi. Ouais, c'est le seul petit hic. C'est bien qu'ils n'ont pas traduit celui-là. Et il existe en deux versions. Moi, j'ai pris la version ultime, mais t'as aussi des versions... Juste le bouquin et peut-être pas le coffret, quoi, l'enrobage. Quoi. Alors là, on est sur un prix de 99€. Ah ouais, donc là ça pique un peu les copains. Un peu à piquer, 100€ quoi. Mais bon, après, dites-vous qu'après vous saurez tout sur Sonic. Voilà, après c'est l'ultime bouquin quoi. Pas besoin de racheter de bouquin à côté. Ah, et pour finir, nous avons. Eh mais attends, mon bouquin il est où le mien là? Et ton bouquin il est là. Oh. Parce qu'il est aussi On va passer par celui-ci avant de montrer celui-ci. Écoute, on va passer par. Je te laisse l'ouvrir du coup. Je te laisse l'ouvrir. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc PlayStation Anthology. Du coup, c'est le volume 3. Volume 3. De 2000 à 2006. C'est ça. Donc c'est la ludothèque, la console. Donc coup, tous les jeux qui sont sortis entre 2000 et 2006. Plus, une petite histoire sur la console. Hein. Ouais. Sur les produits dérivés. Des petites anecdotes. À la fin, on peut voir aussi tous les collecteurs qui sont sortis entre 2000 et 2006.
Donc c'était l'ultime ouvrage qui me manquait, parce que j'avais déjà le volume 1 et volume 2. Voilà, et puis là... Tu les as tous, maintenant. Je les ai tous. Et là, c'est vrai que le volume 3, il est pas facile à trouver maintenant, quoi. Ouais. Il est devenu beaucoup plus rare que les autres. Ouais. Donc là, on a les différents salons. Donc là, c'est une édition limitée, hein. C'est marqué derrière le... Ouais. La boîte qui est juste là. Voilà, il y a 2000 exemplaires, j'ai le 1780. Ouais. Donc ça fait pas des masses de livres non plus, quoi. Et du coup, là, il parle un peu de la PSP, qui était sortie du coup à cette période-là. Voilà. Alors par contre, à contrario des autres, il y a beaucoup de lectures. Même s'il y a pas mal de screens, d'artwork et tout ça, là il y a beaucoup de lectures. Là, on va passer à la Donc là, bah, là c'est le créateur Tekken, t'as carrément des dossiers sur quelques jeux. Voilà, du coup là la section jeux, voilà. Du coup avec l'année qui est en haut. Voilà. Et puis là on a tous les jeux. Donc t'as un système de notation avec des étoiles. Ouais, avec des étoiles. On peut voir la note. Voilà. Avec un petit une étoile de 1 sur 5. Avec un petit descriptif en français. 1 à 5. Pour savoir. Voilà. Tac. Voilà. Et du coup, voilà, il y a de quoi lire. Il y a de quoi lire, quoi. Et puis à la fin, donc il y a des collectors. Et à la fin, il y a. Il y a donc des présentations de covers. Japonaises, USA, donc des trois continents. Et européens. Et par là, voilà. Ah, et là, il ouais, y a des collectors, en fait. Qui sont sortis en fait à tous les collecteurs. Incroyable! Ah bah c'est excellent ça! C'est bon. On n'imaginerait pas qu'il y ait autant de. Donc sacré bouquin! Et ben, Je suis quand même assez fier de l'avoir. Pour tous les fans de PlayStation, voilà. Il faut l'avoir. Quoi. Et puis t'as toute une histoire hein, sur, ouais. Et d'ailleurs, sur la création de la console. C'est marrant parce que du coup tu as le dernier jeu sorti officiellement apparemment. En 2006, je sais un peu plus loin. 2003. Non, c'est là. Ça était déjà 2004, 2005. Ah oui. Bah, voilà. 2006, ouais. Voilà, le dernier jeu sorti, ce serait le Strider Iryu. Iryu, ouais. Apparemment, d'après le livre officiel. Apparemment, ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même une assez belle pièce, assez beau ouvrage. D'ailleurs, moi, il me manque le 2 et le 3 que je n'ai pas encore. Que je vais essayer de me choper dès que je peux, parce que là, j'avoue que la carte bleue est carbonisée. carbonisée, la carte bleue, quoi. Elle sent cramée. Ouais. Un peu comme le plat que j'ai fait au four dernièrement. Ouais, parce que des fois, voilà, je suis en train de jouer, je zappe un truc, ce qui crame, comme ma carte bleue, quoi. Et donc, pour finir... Et pour finir... L'ultime book, voilà. Hein pour finir en apothéose... New Challenger. Oh la vache, alors... The King of Fighters All-Star Edition. All-Star Edition, King of Fighters. Du coup, ça, c'est des bouquins pour les stars. Alors, tu peux tourner, faire pivoter pour voir l'épaisseur du bouquin. Oh là 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 là, il est monstrueux, le bouquin. Là, c'est... Le pavé... Le gros pavé. Et ça n'a pas de sens. C'est tellement que c'est un pavé le truc. Il pèse super lourd. Alors, ça... tu peux montrer le petit délire du bouquin. Le petit délire. Vous voulez voir le petit délire. Ouais. Bon. Et ben, je vais vous faire le petit délire. Et ça, vous n'êtes pas prêts. Alors, en fait, c'est très simple. Là, vous avez des cases avec tous les personnages. C'est long. Et là, quand on presse la gueule de Kyo, qu'est-ce qui se passe? Ah, et ben, excellent, quoi. C'est bon. Il y a les attaques des persos. Mortel. Oh, c'est incroyable. Et on entend bien en plus. Hein. Ah oui, on entend bien. Hein. Ouais, c'est vachement bien retrouvé. Voilà. Oh là là. Excellent. Le petit chéri. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est vraiment un petit plus qui fait plaisir pour le fan, quoi. Hein ah bah ça, c'est incroyable. Franchement, c'est bien pensé, quoi. C'est le petit plus. Donc ça, c'est le dernier ouvrage qui est sorti sur la saga King of Fighters. Celui-là... Un des derniers, on va dire. Ouais. En tout cas, un des plus gros. D'accord. Ça, tu peux le poser sur la table, ouais. Mike ? Bien sûr. Je vais sortir le book, ça. Le book qui est une cover magnifique, voilà. D'ailleurs. Hop, on va poser ça. Elle est très jolie, la cover. La cover, elle est incroyable. Elle est incroyable. Par contre, du coup, il est en anglais. Ah. Il est pas traduit. Encore pas ça, c'est le petit hic, encore. Mais ce n'est point grave. Mais ce n'est point grave, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'écriture dans ce bouquin. Une petite carte postale. Hein.
Il y a beaucoup plus d'images en fait, ouais, sur celui-ci pour le coup. Exactement. Alors, donc c'est, ça va, c'est pas trop frustrant quoi. Au début, il y a du coup... Alors au début, il y a un petit peu de paragraphe, ouais, il y a un peu à lire, mais après, c'est vraiment de la photo quoi, de l'image. C'est ça, alors il parle du concurrent du coup Street Fighter. Street, ouais. Mm. Voilà, et après, il passe du coup au jeu, du coup, il y a des images de perso. Il y a un explicatif sur comment ils ont fait les perso, à mon avis, avec les premières ébauches. Là, il y a la force des persos, en fait, avec différentes notations. Et puis après, on va enchaîner, du coup, là. C'est surtout les images qu'on va voir. Et ouais, là, regardez-moi ces superbes images en magnifique pixels. Par contre, faut pas être allergique aux pixels, les gars. Magnifique. Ça tabasse. Là, c'est des superbes images d'une qualité en plus. Ah ouais, une qualité incroyable. Voilà, du coup. L'impression, elle est ouf, l'impression. C'est très bien. De ce bouquin, quoi. L'impression, elle est dingo. Voilà. Ça fait un sacré boulot. Regarde, t'as tous les moves, ouais, toutes les animations, les frames d'animation. Les sprites, les tous les stages. Ah oui, c'est vraiment très très beau. Et si on va vers la fin du livre, bah là, on a énormément d'artwork, beaucoup d'images rares, etc. Mm. Ouais, puis des images jamais vues. Hein. Des images jamais aussi, vues. Aussi. Hein. Du coup, là, il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Mm. C'est vraiment un superbe livre. Très plaisant. Pareil, on voit que c'est des passionnés qui ont fait le bouquin. Ouais, quoi. Ouais. Là, c'est... Moi, j'en ai pris plein les yeux. Et à chaque fois, il y a un petit descriptif sur l'image, ouais, etc. Ouais, ouais. Pour un peu approfondir sa connaissance de l'univers, c'est vraiment le bouquin vraiment parfait pour les fans de KOF. Il y a tellement de trucs. Genre, ouais. On voit que le bouquin a été fait avec le cœur. Ouais, carrément. Alors après, il y a des esquisses. Ouais. Des esquisses des développeurs, etc. Ouais. Excellent. Vraiment très très beau livre. Ouais. Ah non, mais franchement, il est superbe ce bouquin quoi. Mmh. Ouais, donc là c'est beaucoup plus d'artwork. Ouais. Mais non, et là après c'est plus du gameplay là. Ouais, c'est plus des esquisses et après il va y avoir pas mal de gameplay au niveau de toutes les pages foncées là. Ouais ouais. T'as même le dernier là, ça c'est le. Ouais, ouais, ça c'est le. Ouais, 14 ça, ou le 15 ça. Ça va être le 15. C'est le 14. Ah c'est le 14. Ouais, c'est le 14. Et là du coup là il y a pas mal de. Bah, pas mal de choses, d'images. Allez. Le 13. Ouais. Excellent. Bon, bah voilà, coup, franchement, on a fait le tour. Tout fan de KOF de ces magnifiques bouquins. Hein, ouais, voilà, c'est cool. Donc, grosse réception à Book. Ouais. Là, je suis tranquille pendant un moment. Là, quoi lire, quoi. Superbe. Superbe. Franchement, là, il y a de quoi faire. Là, t'es tranquille pendant au moins une bonne année, je pense. Ah, hein, bah, c'est clair et net. Il faut pas que. T'as de la lecture, quoi. Il faut pas que tu oublies en tout qu'il y a un petit bonus. Le petit bonus. Ah oui, j'ai reçu. Ah, mais oui. Une enveloppe. De Kyokuzanagi, c'est ça? Bah ouais, j'ai pas trop compris. Du coup, l'enveloppe est là. Ah. Il a reçu une petite enveloppe d'un combattant de King of Fighters. Et tous les connaisseurs. Et voilà, la fameuse enveloppe. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans, du mais coup? Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'aimerais bien savoir. Eh ben, écoute, je vais l'ouvrir. Oh mon dieu, je l'ouvre. Avec un tampon, la cire. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, on a un mot de Kyo qui veut me péter les dents parce que je l'ai niqué à Street. Oh, c'est pas vrai. Désolé Kyo, mais c'est pas de ma faute, je ne connais pas ma force. Mais non, il y a des superbes images. Incroyable. Du coup, tiens. Excellent. Donc là, bah, pour le coup, on va pouvoir vous montrer comme ça. Voilà. Tac. Voilà. Du coup, des superbes KOF 96. Ça c'est KOF 94, KOF 96, KOF 97. Là on a une photo de KOF 96. Là donc aussi, ça y est, le mystère a été élucidé, on sait, sait ce qu'il y a dans l'enveloppe alors. On sait ce qu'il y a. C'était bien des lithographies. Hein. Depuis tant d'années on se posait la question, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? KOF 97. Voilà. Et voilà, du coup 5 superbes lithographies. Bah, elle est magnifique, hein, Yori Yagami là. Ah ouais, des superbes images de grande qualité. Mmh. Très très bon artwork. Du coup voilà pour. Bon alors ça c'était vraiment le petit plus, le petit cadeau en plus quoi. Le petit du cadeau bouquin, en plus, hein, ouais, exactement. C'est le cadeau qui fait plaisir. Qui fait plaisir. Donc coup, bah voilà, sacré bouquin. Hein, voilà. Une sacrée panoplie de bouquins là. Ah donc bah, y en a combien en tout? 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bouquins? 8 bouquins, là, en fait. Waouh! Vas-y, disons, t'as quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8 bouquins en tout. 8 bouquins, quoi. Donc, de différents éditeurs.
que des très beaux ouvrages. Hein. Ah oui, des très beaux ouvrages. On voit que c'est de la qualité, hein, que ce soit au niveau du papier, même du grain du papier. Mmh. Hein. Voilà. Je pense que là, les gars, on peut leur dire que franchement, ça vaut le coup quand même ces bouquins. Ouais, ouais. D'investir un petit peu de sous dans ces bouquins-là. Quoi. Exactement. Franchement, oui. Là, franchement, vous êtes tranquille, vous avez encyclopédie de Sonic, ouais, de Mario, de Street, de KOF. Et plus aux bouquins PlayStation, franchement. C'est vraiment pas des bouquins de guignolo. C'est sûr. Pas des bouquins de guignolo. Là, il y en a peut-être. Là, il y en a peut-être allé pour peut-être 400 euros de livre. Là. Ouais, ah oui, 300 euros de livre. Ouais. Mais par contre, voilà, vous avez ça, vous êtes tranquille pendant au moins 5-6 ans, ouais, niveau culture là. C'est vraiment des bouquins qu'on vous conseille, quoi. C'est ça. Si jamais vous êtes intéressé par ces différents univers, si jamais vous voulez un peu creuser l'univers et approfondir vos connaissances, et bien franchement, c'est des bouquins qui sont indispensables pour tout passionné de jeux vidéo. Ah oui. À tout fan de KOF ou de Sonic, se doit de les avoir. Exactement. Effectivement. Bon, on arrive à terme de la vidéo. Bah, les gars, je vous remercie. Hein, et ben, merci. Bah, c'était bien sympa. Bah, merci hein, d'être passé du coup. Il n'y a pas de souci. Solistec Retro. Il n'y a pas de souci. Et n'hésite pas à passer un de ces quatre aussi. Volontiers. Sur la chaîne. Hein, avec plaisir. Avec Mike aussi. Hein. Bah, pas de souci. L'invitation est lancée. Avec plaisir. Et puis on espère te revoir aussi sur tour. Avec grand plaisir, je repasserai. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et ben, génial. Merci à tous. N'oubliez pas le petit pouce pour le référencement, le petit commentaire qui fait plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, sautez sur le stick de geek. Ciao. Salut mes serpents solides.